Salut tu veux sa fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego magazine mixte, on va dire ça en gros. Dans cette vidéo là, comme je vous l'avais promis depuis quelques temps aujourd'hui, je vais mixer la remorque du numéro 7 avec le quad du numéro 8 Jurassic World. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui, tout simplement. On va voir le résultat que ça fait et est-ce que Blue Ocean et Lego devraient continuer comme ça pour les prochains magazines, et pas que en Jurassic World, hein, pourquoi pas en Django, en City, tout ça. Voilà, c'est ce que je propose aujourd'hui. Voilà du coup ce que ça donne. Alors, attendez, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Alors, du coup, je vais rapprocher, voilà, au maximum. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc on peut constater, ça roule très bien ensemble. Hein. Voilà. Hop. Donc du coup, c'est Owen qui conduit du coup le petit dino à son prochain enclos. Voilà, c'est plutôt cool. Donc du coup, au final, hein, on va pas se mentir. La remorque en soi, c'est juste ça. Il n'y a pas autre chose. Pardon. En soi, là je suis en train de tout défoncer, mais c'est pas grave. La remorque, c'est juste ça. Ce qui suit le quad, c'est juste ça. Là, ça, c'est le piège. Donc du coup, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Ça, c'est une échelle. Hop, il vient manger la petite saucisse. Pardon. Il vient manger la petite saucisse. Blablabla. Hop, ça se referme sur lui. Il est triste, tout ça, il pleure. Hop, là. Ensuite, t'as Owen qui le reprend. Hop, et après, chouchou. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. C'est plutôt cool. Alors, du coup, moi, je préfère le mettre comme ça. Parce que vous allez le voir, vous savez quand je vous le dis. J'aimerais bien le mettre dans la ville. Et faire genre, il y a d'autres bébés dinos et carrément, je sais pas, d'autres trucs qui viennent l'aider à s'en sortir, en fait. Et voilà. Moi je trouve que ça pourrait être plutôt sympa comme ça. Genre ils sont dans la ville et tout. Et là t'as un dino qui essaie de venir chercher son pote. Voilà, ça peut être très sympa à intégrer. Et voilà, moi j'aime bien ce mix. Pour moi, Blue Ocean devrait continuer sur cette ligne-là. Pas que en Jurassic World, mais aussi en Ninjago, pourquoi pas. Genre, je sais pas, on peut imaginer plein de choses, hein, pourquoi pas, du micro-scale. Du genre un bout de ville Ninjago en micro-scale, après un autre bout de ville. Pourquoi pas, je sais pas. Voilà. Tout plein de trucs qui peuvent être très sympas à mettre du coup dans les magazines. Ça rajoute de la profondeur et surtout, bon, ça rajoute aussi de la collectionnite. Mais moi j'aime bien ce petit ensemble. Ça rend plutôt bien. Et ça complétera à merveille certains dioramas aussi pour beaucoup de moqueurs. Voilà, du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo qui regroupe du coup la remorque et le quad Jurassic World. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et voilà, bah du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez. Et voilà, bah du coup c'était MC Lachego qui vous aura plu, qui vous dit bye bye.